Parce que là, on vient tout juste d'arriver à l'auberge du lac Taureau. Oups. Ah. C'est quoi le mot de passe? Trouver une pomme de pain. Trouver une pomme de pain? Je suis trop contente parce qu'on vient tout juste d'arriver à l'auberge du lac Taureau avec moi, chérie, puis notre bébé Mila. C'est notre toute première aventure slash petite vacances tous les trois. Donc notre petite famille. Fait que c'est ça, il y aura plein de first times en fin de semaine parce que c'est la première fois que Mila va se baigner dans l'eau. C'est aussi sa première fois qu'elle va se promener sur la plage. Fait que c'est fou le petit temps de vivre tout ça. Puis on est trop contents parce que on a justement une chambre canine. Donc dans la chambre, il y avait directement la cage, les gamelles. Puis les chiens sont acceptés sur la propriété ici. Il y a vraiment très peu d'établissements où est-ce que tu peux amener ton chien puis dormir là puis tout ça. Fait que c'est vraiment le fun ben, d'enfin avoir un petit endroit où aller. Puis comme je trouve excitée en plus parce que toute la fin de semaine, il annonce fucking chaud. Genre 30 à 40 degrés. Fait que je pense que ça va nous donner l'impression d'être dans le sud avec la plage, avec des petits drinks. Ça va être mieux que moi. Fait que je suis trop contente. Ah, puis je vais peut-être vous amener avec nous. Puis tout ça, c'est pour l'occasion du fêter ici. Comment vous sentez-vous, monsieur, à l'idée de ce week-end de fiesta ou de repos? Fiesta slash repos. Avec Mia, repos durant. Ah, faut que j'ai envie de jouer. Oh, oh non, t'as pas le droit de faire ça. Oh. Je viens juste. Tu m'as volé mon chum. Fait que ouais, non, avec ce petit monde, c'est sûr que se reposer, c'est totalement différent parce que moi, ça me laisse très peu y reposer. Mais est-ce que vous remarquez, guys, comment qu'elle a grandi? Oui, c'est une grande fille maintenant. Fait que sur cette note, allons profiter d'un petit drink. Allô, en fait, ce serait pour placer une commande de room service. On va prendre deux fois le potage, un ceviche poisson, une mascarpone, un risotto, un magret de canard, un cheesecake, puis les macarons. C'est bon, merci. C'est plus bon, moi, du Chewbacca. Essaie de l'imiter. Non. Toi, on aurait même plus dit Chewbacca que moi. Chewbacca? C'est ça que c'est pas chou, genre chewing, c'est du Chewbacca. Chewbacca. Ah, ok, je sais pas. Peut-être qu'en anglais tu dis chou. Anyways, the point is that food is ordered. Parce qu'on a quand même bu hier. Profiter vraiment de la soirée ici, puis honnêtement, avoue que c'est vraiment sick comme endroit. Ouais, c'est vraiment cool. Comme hier soir, on est allé se mettre sur la petite plage, puis on voyait les étoiles, puis on a vu comme. Il était genre 9h30, puis le ciel était vert. Comme on dirait que c'était comme un aurore boréale, mais c'est juste le coucher de soleil, on dirait qu'il y avait comme des belles couleurs. Fait que vraiment malade. Puis là, je mets mon petit on clingling, je suis vraiment en mode vacay outfit. Et j'ai mon petit chapeau chaque nuit. Que c'est le modèle qu'on va faire, je l'aime trop. Avec cette petite robe qui vient de chez Storrett. Open back situation. Super cutie.
c'est vraiment genre dans le fait que je partirai en voyage, puis que ça restait représentatif parce qu'en ce moment je me sens en voyage. Puis on va aller se faire masser. Ça prend un peu depuis vraiment longtemps que je me fais masser. Ok, en ce moment on vit vraiment la grosse vie. C'est bon, hein? Le rond brin, sans terrasse, avec mon tartare. Ça fait littéralement un an que j'ai pas mangé ça. À vous, c'est quand même la grosse vie, là. C'est fancy, là. Est-ce que tu te sens dans le sud? Oui et non. It's hike time! C'est le premier petit hike avec Bibi Mila. Mila, ça fait baptiser. Mila se fait fucking battre dans plein de nouvelles activités en fin de semaine. Initiation à la plage, initiation à la forêt. C'est quoi les autres bâtons? Elle a descendu sur ses premiers grands escaliers. Elle a sauté du lit, d'un lit fucking haut. C'est une grande fille, Mila. De la plage, t'aurais pu te creuser des trous n'importe où. Puis, Mila se le fait ici. Fait que là, on vient de finir le déjeuner, j'ai mangé comme un gros porc. Quand il y a des buffets, je suis incapable de me contrôler et je prends toute la bouffe qu'il y a devant moi. Mais au moins, je trouve que c'est ça la définition d'être en vacances. Puis là, avant d'aller à la playa, first things first, ce qui est super important, je vais mettre ma crème solaire. Honnêtement, si la Lucie de vlog 5 ans m'entendrait en ce moment, elle me trouverait très très responsable parce que pendant de nombreuses années, je mettais très rarement de la crème solaire. Juste pour votre information, le cancer de la peau est le cancer le plus répandu au Canada. Donc, considérant cela, considérant que j'ai seulement 22 ans et que je veux vivre assez longtemps, ben maintenant j'essaye vraiment d'appliquer le plus souvent possible de la crème solaire. Puis en ce moment, celle que j'utilise, c'est celle de La Roche-Posay. C'est leur gamme fluide. Puis je sais pas pour vous, mais moi pendant très longtemps, la raison que je n'appliquais pas de crème solaire, c'est parce que je trouvais ça un peu dégueulasse de mettre de la crème solaire. C'est tout le temps comme, t'es tout le temps petite crémeuse, c'est blanc, c'est tough à étaler. Mais j'ai récemment découvert la gamme Antelios de La Roche-Posay, qui est celle que j'applique en ce moment. Donc ils ont plusieurs formats, sont toutes extra fluides. Celle-ci, comme vous voyez, est comme, je sais pas pourquoi j'ai mis de ce côté-là de ma main. What the fuck is wrong with me? Je voulais comme le mettre de l'autre côté, mais en parlant, j'en ai été distraite. Anyways, fait que celle-ci, comme vous voyez, est teintée. Ça paraît intense quand je la mets, mais ça va bien s'étaler. Comme ça, ça fait un two-in-one. Ça fait une petite couvrance légère de fond de teint, puis en même temps, ça amène ma protection. Fait que moi, j'essaie vraiment d'intégrer le plus possible des produits comme ça, deux en un. Fait que comme ça, j'ai pas vraiment besoin de nécessairement y penser le matin, même la crème solaire. Je la mets automatiquement en faisant les autres étapes de ma routine beauté. C'est ce que j'appelle être efficace et polyvalent. Bah, en fait, ça ressemble à ça une fois appliqué. Là, je vais go ahead et appliquer celle pour le corps sur le reste de mon corps. Ce que j'adore, c'est qu'elle est extra, extra fluide. Puis, juste pour sa fluidité, puis le fait que, comme, checker à quel point c'est facile à appliquer, ça laisse pas de traces blanches. Genre, nommez-moi une autre crème solaire qui ne laisse pas de traces blanches. Fait que, on that note, allons à la playa.